ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دیدی نے محمد سا نہ پایا ہم نے عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: quiconque imitera un autre peuple en délaissant la méthode et la tradition de sa propre communauté et de son peuple sera considéré comme l'un d'entre eux. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'immersion hadith. Comme vous le savez, dans cette émission, nous discutons d'un hadith, nous l'analysons et nous essayons de le mettre en perspective avec certains versets du Saint-Coran ou d'autres hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith que vous venez d'entendre relève d'une importance capitale. Vous savez, comme vous le savez, au 7e siècle, l'islam est arrivé en Arabie et avec l'arrivée de l'islam, le peuple d'Arabie a pu se réformer. Il y a eu des enseignements qui ont apporté une réforme très importante, à la fois sur le plan spirituel, mais également dans leur pratique quotidienne. Et le but de ces enseignements-là, comme on l'a vu précédemment dans les précédentes émissions, c'était d'apporter une stabilité et une paix dans la société. C'était pour vraiment faire de l'homme un meilleur homme et faire de la société une meilleure société qui mettra en pratique ces enseignements de l'islam. Mais lorsque l'islam et lorsque les musulmans ont quitté cette région d'Arabie et lorsque l'islam s'est propagé dans des contrées voisines ou dans d'autres pays, dans d'autres continents, très rapidement les musulmans ont donc rencontré d'autres civilisations, d'autres cultures qui avaient pour certaines des pratiques, des croyances radicalement différentes des leurs. Et par exemple, ils ont rencontré des païens, des personnes qui étaient de religion chrétienne, de religion juive, qui avaient des croyances, qui avaient des pratiques totalement différentes. Et dans ce contexte-là, la question se posait du coup, comment ils pouvaient faire en sorte de faire cohabiter leurs croyances dans des contrées où ces croyances n'étaient pas appliquées, où ces pratiques n'étaient pas vraiment appliquées. Et donc pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un ensemble de recommandations à ses compagnons. Et l'un de ces conseils qu'il avait donné à ses compagnons, c'était justement de pouvoir faire attention à ne pas être imprégné de manière sans vraiment de réflexion, d'être imprégné par d'autres cultures qui pourraient leur être dommageables. Et c'est dans ce cadre-là que ce hadith s'inscrit. Ousmane Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Quelle est l'importance de ce hadith ? Alors, ce hadith, il est très important, il est très court, comme on l'a entendu, man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Celui qui imite un peuple en fait partie. Il est très court. Mm-hmm. Mais il y a une qualité que nous avons déjà évoquée dans les précédentes émissions, dans d'autres hadiths, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une des qualités qu'Allah m'a données et qu'il n'a pas accordées aux autres prophètes avant moi, c'est celle de dire beaucoup de choses en très peu de mots. Et ce hadith est l'illustration de cela, d'une phrase qui a l'air simple, la sagesse qui est derrière est un océan de sagesse. Et donc, l'un des enseignements qu'on peut tirer de ces quelques mots que compose cette phrase, elle est de s'attaquer à une maladie qui est beaucoup plus profonde en apparence que ce qu'elle est, à savoir qui est imperceptible dans un premier temps, mais qui est très destructeur pour les peuples ou les personnes qui en sont victimes. À savoir, c'est le complexe d'infériorité.
c'est l'esclavage mental et psychologique. L'esclavage physique est visible. La personne qui est esclave d'une autre personne, elle est libre dans son esprit. Elle est certes enchaînée physiquement, mais au niveau de l'esprit, elle ne peut pas être enchaînée au niveau de l'esprit. On peut contraindre une personne à faire une chose, mais la contrainte à penser d'une manière est différente. Mais là, le point qui est soulevé, c'est l'esclavage non pas physique, mais psychologique. L'islam, le Saint-Prophète Mohammed sallam a enseigné, a donné des enseignements à la communauté musulmane qui doit les relever au niveau spirituel, mais au niveau sociétal, économique, à tous les échelons de la vie d'une société. Comment faire d'elle une société meilleure? Donc, comment faire des hommes meilleurs, avec une meilleure foi, mais également des citoyens des citoyens meilleurs. Mais en suivant ces enseignements-là, la communauté musulmane, les gens qui suivent les enseignements de l'islam, à tous les niveaux, deviendraient des gens meilleurs, aussi bien sur un plan sociétal, conjugal, commercial, sur un plan économique, tout serait meilleur pour eux. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans les précédents hadiths, où en fait, le prophète sallam disait, par exemple, de ne pas tromper l'acheteur en mentant sur la qualité du produit, etc. Tous les enseignements donnés par le Saint-Prophète Mohammed sallam doivent tendre à faire de l'homme un homme meilleur, afin que Dieu bénisse ce qu'il fait. Quand Dieu bénit une personne, le peu qu'il a devient suffisant, le peu qu'il a l'enrichit. La véritable liberté, le véritable apaisement, c'est quand le cœur est satisfait de ce que nous avons. Mais vous pouvez être riche et le cœur n'est pas satisfait ou n'est pas rassasié de ça, ben vous serez toujours dans une souffrance. Et l'enseignement qui nous est donné ici, c'est de dire que, en quelque sorte, soyez fiers de ce que vous avez, soyez fiers de votre culture musulmane, de vos enseignements musulmans, de vos préceptes musulmans, de votre culture musulmane. Là, on ne parle pas de culture liée à un peuple en particulier, on parle de ce qui est commun à l'islam. Nos valeurs, nos principes, nos traditions, qui sont la base du Saint-Coran et de la Sunna. Et ces choses ne doivent pas être... nous ne devons pas avoir un complexe d'aider notre peuple dans la pratique de ce que nous avons. Mais ça, c'est extrêmement important comme point, parce que ça implique d'abord, nous en tant que musulmans, que l'on comprenne nos enseignements. D'abord qu'on les étudie, qu'on les connaisse, et dans le deuxième temps qu'on sache la philosophie, la sagesse et l'importance de ces enseignements quotidiens. Parce que nous sommes par exemple aujourd'hui citoyens français de confession musulmane, nous habitons en France, nous exerçons nos pratiques religieuses en France, et très rapidement, on peut voir que certaines personnes qui sont de confession musulmane, ou même nous, on peut se dire, oui, mais par exemple, je fais ramadan, je jeûne, mais je suis dans mon entreprise, qu'est-ce que vont penser les autres de ma pratique? Ou par exemple, nos sœurs musulmanes qui disent, je porte le voile parce que, pour la sagesse que ça représente, mais pour autant, je suis dans une société qui peut porter un regard un peu différent sur ça. Et donc, pour pouvoir affirmer nos croyances sur le terrain, dans notre société, il est crucial que l'on connaisse, que l'on comprenne, que l'on maîtrise la sagesse pour pouvoir en être fier, comme vous l'avez dit, et pouvoir le défendre. Tout à fait. Vous savez, dans ce hadith, quand le prophète dit que celui qui imite un autre peuple en fait partie, une personne n'essaye d'imiter un peuple que s'il voit dans ce peuple-là, dans cette culture-là, que cette chose, il pense qu'elle est supérieure à ce qu'il a. Quel que soit le peuple, quelle que soit la religion en question, celui qui est, admettons, anglais et qui veut imiter la manière de vivre des Sud-Américains, c'est que pour lui, leur culture est supérieure et leur manière de vivre est meilleure que la sienne. Vice-versa. Les Africains qui veulent imiter le mode de vie occidental, c'est qu'ils n'ont que peu de considération pour leur propre culture, leur propre civilisation, mais ils vont envier un autre peuple. À tous les niveaux, c'est pareil. Mais l'islam vient nous enseigner que soyez fiers de votre culture, de votre civilisation, de vos enseignements, de vos préceptes. C'est ce que l'islam demande. Bien sûr, on ne traite pas ici du rejet en bloc d'une nation, d'un peuple ou d'une civilisation.
il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que toute vérité est la propriété perdue du croyant, ou qu'il la trouve et s'en approprie. Donc il ne s'agit pas de ça. Par contre, commencer à imiter, comme certains, on le voit aujourd'hui dans la communauté musulmane, que certains commencent à mettre à la maison, à Noël, mettre des sapins à la maison, c'est une imitation d'une pratique qui va à l'encontre de nos enseignements, de nos préceptes, de notre éthique, de nos enseignements. Halloween, le fêter, pour les familles musulmanes, c'est imiter un peuple en contradiction avec nos valeurs, nos préceptes. Commencer à fêter les anniversaires, comme beaucoup de familles le font, musulmanes le font, c'est une imitation d'un peuple, d'une tradition qui n'est pas propre à l'islam et qui doit être rejetée, que nous ne devons pas pratiquer. Il y a d'autres enseignements comme ça qui font que l'imitation petit à petit de certains préceptes et enseignements de peuples étrangers à la nôtre, étrangers à notre culture musulmane, nous amène à abandonner petit à petit nos préceptes. On va prendre le cas de l'Inde. Lorsque les Anglais ont gouverné pendant tant d'années l'Inde, les femmes voilées, les personnes qui avaient la barbe ont fini par abandonner la barbe, la raser totalement et pour ne laisser que la moustache, ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui en Inde. Et les femmes ont fini par laisser tomber le voile pour commencer à s'habiller d'une manière de mettre en avant leur forme. Et les longs habits et amples traditionnels de ces peuples-là ont laissé place à des corsets-cravates. D'accord. Donc, c'est pas le rejet de l'habillement. On n'est pas en train de dire qu'il faut rejeter le corset-cravate. C'est pas ça. C'est de dire que vous devez analyser. Quand une chose vous vient, qu'elle est nouvelle, qu'elle vous est inconnue, vous devez l'analyser sur l'impact qu'elle va amener par la suite. Est-ce que cette chose va amener une dépravation des mœurs, une dépravation de vos éthiques morales et spirituelles, ou est-ce qu'elle va l'améliorer? Si ces pratiques nous amènent à abandonner nos propres principes, préceptes, dans ce cas-là, nous ne devons pas les adopter. Pour le cas du voile dans la société occidentale, dans laquelle, pas toutes les sociétés occidentales, encore une fois, la France est particulière comparée à d'autres pays. Mais sur la question du fait religieux, la France est réfractaire à la religion. Elle est réfractaire à la religion dans son ensemble, et l'islam en particulier. Ce qui fait que aujourd'hui, nous avons le sentiment que toute loi qui est passée aujourd'hui n'est faite qu'en réalité pour limiter les possibilités de pratique, de diffusion du message de l'islam. Et malheureusement, le regard qui est fait sur les musulmans par les non-musulmans contraint les musulmans à être honteux de leur religion, honteux de leurs pratiques, de leurs préceptes, de leurs traditions, et commencer à abandonner sous le prétexte de ne pas gêner l'autre, d'abandonner leurs préceptes. En fait, on peut également voir, par exemple, quand on regarde les pratiques de la confession juive, de la confession chrétienne, et depuis de l'islam, on peut voir que c'est vrai que quand on est pratiquant musulman en France, notre pratique est parfois plus visible que celle des autres religions. Par exemple, si on prend le cas du port du voile, ou bien le fait que c'est conseillé pour les hommes de porter la barbe. En fait, ce sont des choses qui sont visibles, qui sont palpables, ce qui est un peu différent des autres. Et du coup, dans le contexte, dans le climat où on a toujours, comme vous l'avez dit, cette sorte d'inimitié vis-à-vis de la religion, les pratiques qui sont d'autant plus visibles et palpables sont d'autant plus difficiles à mettre en œuvre. Parce que du coup, on aura un regard direct de la personne. Parce que si la personne nous connaît et elle ne sait pas, par exemple, que nous sommes pratiquants, etc., elle peut avoir un comportement, on va dire, totalement normal vis-à-vis de nous. Par contre, dès lors qu'elle apprend qu'on est pratiquant, qu'on défend nos croyances et que nous en sommes fiers, dans le contexte, notamment, je parle vraiment de notre pays, parce que c'est vrai que dans d'autres pays, c'est un peu différent, mais dans notre pays, on a vraiment un sentiment que la religion, on veut un peu la mettre peut-être pas de côté, mais on va dire, on veut que les gens qui sont religieux fassent profil bas. C'est compliqué à mettre ça en œuvre. Parce qu'on a, en islam, une pratique qui est quotidienne et palpable. Et c'est aussi ça qui fait que la force de l'islam, c'est que c'est l'une des religions qui est les plus pratiquées et dont les pratiques entoure toute la vie
quotidienne de la personne. La religion musulmane est cette religion qui a cette particularité qu'elle régit toute la vie du croyant, à tous les aspects, économique, social, environnemental, à tous les niveaux. L'islam a une éthique dedans. Même aujourd'hui, les discussions qui sont les plus florissantes actuellement, ce sont les discussions qui tournent autour de l'environnement. L'islam a aussi ses principes, ses éthiques concernant l'environnement. Là n'est pas la question pour aujourd'hui. Mais l'islam nous demande de ne pas souffrir, et cherche à éviter que les croyants, les musulmans, souffrent d'un complexe d'infériorité. Il n'y a pas de complexe d'infériorité qu'il doit y avoir. Les premiers siècles de l'islam ont témoigné que tant que les musulmans étaient fiers de leur religion, de leur culture, je ne parle pas de la culture arabe, je parle de la culture musulmane. Parce que c'est une erreur de dire les siècles, quand on dit les lumières de l'islam, la période face de l'islam, c'était la période arabo-musulmane. Et c'est totalement faux de dire ça, car il y a les Turcs, il y avait les Kazakhs, il y avait beaucoup d'autres peuples qui n'étaient pas arabes et qui ont contribué à l'essor de l'islam, notamment le Maghreb, qui n'était pas du tout arabe et qui a contribué à faire fleurir l'islam, notamment en Andalousie. Donc, c'est l'islam qui était leur identité. C'était l'islam qui était leur culture. C'était l'islam qui était leur éthique et le fondement de leur civilisation. Et non pas la culture arabe qui a fait que l'islam s'est répandu. C'est pas la culture arabe, c'est la culture musulmane qui a fait cela. Et donc, les musulmans continuent à parler de cette période de face de l'islam où les musulmans ont réussi à tous les niveaux, intellectuels, scientifiquement, sociétal, économique, à tous les niveaux. Et cette fierté, elle était là tant que les musulmans étaient attachés à deux principes. Le 5 ans, qui est la parole de Dieu, parfaite, infalsifiée et infalsifiable, et la sunna, qui est la mise en application de ce livre, qui est le tafsir de ce livre par la pratique et la parole, les hadiths et la sunna. C'est ce qu'on appelle les deux principes directeurs de l'islam. Et donc, tant qu'on se basait sur ces choses-là, l'islam a fleuri et a avancé. Mais quand on a commencé à abandonner nos principes, nos éthiques, notre culture musulmane, pour adopter celle d'un autre peuple, ben forcément, nous avons perdu les bénédictions liées à cette culture, lié à ces enseignements. On a fini par abandonner petit à petit ces valeurs morales qui étaient propres, inhérentes à l'islam et à la religion dans son ensemble. Et ça a donné autre chose, qui fait qu'aujourd'hui, les peuples les moins avancés aujourd'hui sont les peuples qui se disent musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont adopté psychologiquement les attitudes d'un autre peuple. Ils sont devenus des esclaves psychologiques et non pas des esclaves physiques. Pour prendre l'Afrique a été libérée de l'esclavage physique, mais aujourd'hui elle est esclave économiquement, esclave psychologiquement, elle est esclave politiquement, à tous les niveaux elle est esclave. Elle ne maîtrise rien de sa culture, elle ne maîtrise rien de sa politique, elle ne maîtrise rien de ses décisions propres. Et c'est de ça que l'islam parle. Soyez fiers de votre culture. Mettez-la en avant, défendez-la, mais ça ne veut pas dire le rejet des autres peuples. Ça ne veut pas dire qu'une chose qui est bonne dans un autre peuple, nous ne devons pas la prendre. L'enseignement qui nous est donné ici, c'est ce que je vous ai dit, les deux principes. Si nous voyons une chose qui est bonne dans un autre peuple, et que cette chose ne contredit en rien nos préceptes, nos éthiques, nos enseignements islamiques, notre culture musulmane, elle ne contredit pas la parole de Dieu, ni la sunna du Saint-Prophète Mohammed et ses paroles, nous ne pouvons l'adopter. Il n'y a aucun mal à ça. Mais si ces enseignements-là amènent dans nos sociétés la dépravation morale, le manque d'éthique, le manque de droiture, de rectitude, nous devons les bannir et les rejeter. Et nous avons dans ces pratiques-là aujourd'hui, certaines choses qui commencent à être copiées dans nos pays, qui ne figuraient pas avant dans nos cultures, qui étaient basées sur l'islam. Je parle de l'homosexualité, du tourisme sexuel, qui n'étaient pas des choses que nous avions dans certains pays à forte majorité musulmane.
Le tourisme a amené avec lui énormément de choses bonnes, certes, mais des choses mauvaises aussi. Ces choses bonnes doivent être gardées par les peuples musulmans, mais ces choses néfastes, les autorités devraient prendre des mesures pour contrecarrer ces choses néfastes, notamment le tourisme sexuel, la pédophilie qui vient avec le tourisme et avec ces choses-là, l'homosexualité qui commence à s'ancrer, la consommation excessive d'alcool dans certains endroits alors qu'elle n'y était pas, tout cela pour imiter un autre peuple. C'est de cela que l'islam parle. En fait, c'est très lié, comme vous l'avez dit, à la connaissance et à la pratique des enseignements islamiques. Parce qu'au 7e siècle, dans l'Arabie, il y avait tous les vices qui se retrouvaient. On avait les droits des femmes étaient bafoués, inexistants. Les hommes étaient esclaves. Et justement, l'islam a aboli cet esclavage physique aussi. On avait vraiment une société qui était vouée à tous les vices. L'alcool, les jeux de hasard, ce qu'on avait vu dans le précédent hadith. Et l'islam est arrivé dans cette société qui avait tous les vices pour les réformer à la fois sur le plan sociétal et spirituel, pour leur dire que voici comment vous pouvez atteindre ou arriver à communiquer avec Dieu. Voici le moyen qui va vous permettre de devenir des meilleurs citoyens, des meilleurs hommes dans la société. Et du coup, ça leur donnait des préceptes qui étaient clés. Par exemple, l'islam, les gens l'oublient, mais c'est la première religion qui a établi les droits des femmes, qui a donné le droit à la succession, qui a donné une vraie importance dans le foyer, en disant que la femme est un personnage clé du foyer, que c'est vraiment elle qui a cette responsabilité de l'éducation des enfants, qui a cette responsabilité de jouer un rôle crucial dans la société pour que les gens et les enfants qu'elle enfante deviennent des bonnes personnes et des très bons citoyens, etc. Et là où il y a eu cette... Comme vous l'avez dit, l'islam a apporté beaucoup de bonnes choses, et l'âge d'or de l'islam découle de ça. Quand l'islam disait aux gens... Et que, justement, quand on a ces innombrables versets du Saint-Coran qui font référence à la science, à l'astronomie, à la médecine, et également ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encouragent les musulmans à rechercher la connaissance, mais en faisant du devoir, de la recherche du devoir, pas juste un droit, mais un devoir. C'est en mettant en application ces versets, ces enseignements, que les musulmans, ce qui était justement totalement d'Arabie, qui était des êtres qui étaient totalement, qui avaient des parties condamnables, ont rejeté ces vices-là, sont devenus des meilleures personnes, et ensuite les générations qui en sont découlées sont parties vers ont eu cette soif de savoir, ont acquis des connaissances, sont devenus des maîtres à penser de la science. Et c'est là qui a fait l'âge d'or de l'islam. Et du coup, quand ils sont arrivés avec tout ça, il y a eu cette fierté qu'il y avait chez les musulmans. Nous sommes fiers de nos croyances, de nos enseignements, parce que c'est grâce à nos enseignements que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à ces enseignements que nos femmes sont ce qu'elles sont aujourd'hui, et qu'elles ne ressemblent pas à vos femmes qui n'ont aucun droit. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Europe, les constitutions ont commencé à inclure les droits des femmes que très tardivement. Il y a à peu près 50, 60 ans, en tout cas en France, ils ont commencé à accorder le droit de vote et autres aux femmes en France. Et alors que ce droit d'opinion existait déjà en islam. Et c'est ça, en fait, qui fait que les musulmans qui ne sont pas au courant de tout ça, qui ne connaissent pas leur enseignement, c'est important qu'on retourne à nos sources pour que l'on comprenne quelle était la force de ces enseignements qui a fait que les musulmans étaient fiers de ce qu'ils étaient. Et ils étaient tellement fiers que quand il y avait ce mélange de civilisations, quand ils partaient dans d'autres contrées, ils ne se laissaient pas imprégner par eux. Parce qu'ils avaient cette certitude et cette fierté que nos croyances sont meilleures que les vôtres. Et donc, on n'a aucun intérêt à avoir, avoir vos croyances et vos enseignements. Et c'est pour ça que cette notion de complexe d'infériorité est intéressante ici. C'est parce qu'en fait, là où les musulmans ont commencé à délaisser les enseignements du Saint-Coran, les hadiths, la sunna, où ils se sont un peu éloignés de tout ça, ils étaient plus en proie à tout ça. Parce qu'ils ne connaissaient plus la fierté de leurs enseignements et la force que ça avait. Exactement. C'est que, vous savez, l'état d'un peuple change en fonction de changements qu'il opère en lui. Et du changement qu'il opère dans l'observation de ses préceptes et de ses enseignements. On a plusieurs versets que je vais vous citer, notamment deux versets dans le Saint-Coran. Dans Sourate Al-Anfal, chapitre 8, le verset 54,
où Dieu nous dit A'ouzou billahi minash shaitani rajim ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Au nom d'Allah, le grand miséricordieux. C'est parce qu'Allah ne change jamais une grâce lorsqu'il l'a accordée à un peuple avant que ce peuple n'ait changé l'état de son âme. Et sachez qu'Allah est celui qui entend tout, omniscient. Je vais citer rapidement le deuxième verset avant que nous terminions. C'est le verset 11, Ar-Ra'd, pardon, chapitre 13, Ar-Ra'd, le verset 12, où Dieu nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, grâce et miséricordieux. Pour lui, pour le messager, il y a une suite d'anges devant lui et derrière lui. Il veille sur lui par ordre d'Allah. Assurément, Allah ne change pas la condition d'un peuple avant qu'il n'ait changé ce qui est dans leur cœur. Et lorsqu'Allah veut châtier un peuple, nul ne peut le repousser et ne peut avoir d'aide en dehors de lui. Donc l'islam, cette religion où l'observance des règles est dictée par Allah et son messager, la mise en application de ses enseignements, amène la réussite spirituelle et la réussite matérielle, civilisationnelle, sociétale au peuple ou à la personne qui l'adopte. Mais le rejet ou la négation ou le fait d'éluder ses enseignements pour adopter d'autres enseignements que la sienne amène à ce que Dieu se désolidarise de la personne et les bénédictions qui découlent de cela lui sont retirées. Et donc le peuple qui l'a imité, forcément il aura les conséquences liées au méfait des mauvaises choses adoptées dans ce peuple-là. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au niveau général, non pas seulement au peuple musulman, mais toute autre culture, toute autre civilisation, toute autre société qui imite un autre peuple, non pas seulement ce qui est bon dans ce peuple, car dans tout peuple, dans toute civilisation, il y a des bonnes choses. Dans les sociétés occidentales, il y a des très bonnes choses à adopter, à imiter, car ces choses sont bonnes pour l'évolution. Mais il y a d'autres choses liées à elles qui sont négatives, néfastes pour le croyant, néfastes pour son intégrité psychologique et spirituelle, qui doivent être rejetées. Mais comment arriver à les distinguer? C'est de se baser sur notre culture commune qui est liée à la culture musulmane. Les enseignements basés par du Saint-Coran, expliqués et mis en application par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, les Khulafa, et ses compagnons. D'accord. Et là, en fait, il faut bien faire le distinguo entre culture musulmane et culture arabe, qui n'a rien à voir. Parce que là, quand on parle de culture musulmane, on renvoie aux enseignements du Saint-Coran, du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de sa pratique. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec... Être musulman ne signifie pas être arabe. Bien sûr. Je précise, parce qu'il y a toujours, souvent cet amalgame qui est fait, où les gens pensent que l'islam est une religion d'arabes. Il y a la communauté musulmane arabe, il y a la communauté musulmane africaine, il y a la culture musulmane asiatique, indo-pakistanaise, il y a des cultures musulmanes qui viennent des pays de Chine ou partout dans le monde. Donc on ne parle pas de culture arabe, on parle de culture musulmane. Zakmoulas Mansa pour vos explications. Donc chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu, encore une fois, le but de l'islam ici et de ses enseignements, et notamment de ce hadith, c'est de pouvoir faire que la société où nous habitons devienne meilleure. Et donc à chaque fois qu'il y a matière à rappeler les croyants vers une chose importante, les pratiques du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait, et les hadiths et le Saint-Coran l'a également fait dans toute leur grandeur. De ce qu'on a vu des émissions précédentes, c'est que la paix et la stabilité dans la société est un point crucial en islam. Et donc, là encore une fois, on a vu que le changement qui a opéré en fait chez les compagnons avec la venue de l'islam était considérable. Et à cette époque-là, les compagnons sont devenus de meilleurs hommes. En devenant de meilleurs hommes, la société est devenue meilleure. Et c'est cette fierté que les musulmans ils avaient. Ils avaient cette fierté parce qu'ils mettaient en application à la lettre les enseignements du Saint-Coran et la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Et c'est ça en fait qui a fait la fierté, et de ça a découlé l'âge d'or de l'islam, parce que
les gens ont compris l'importance de ces enseignements-là, ont compris l'importance, par exemple, du savoir, et également l'importance de l'islam pour faire en fait des femmes des personnes très importantes de la société, en leur conférant des droits qu'aucune religion n'avait fait par le passé. Et donc, c'est important aussi que nous, en tant que musulmans, nous gardions à l'esprit que nous avons des enseignements qui nous suffisent. Donc, dès lors qu'il y a des mélanges avec des civilisations, avec d'autres croyances, nous devons évaluer ces croyances à la lumière du Saint-Coran et à la lumière des enseignements que nous avons reçus. Si ces enseignements-là s'inscrivent dans nos enseignements-là, nous pouvons les accepter. Par contre, toute chose qui est bonne à prendre d'une civilisation ou d'autres croyances ou d'autres pratiques est bonne à prendre. Tant qu'elle s'inscrit dans nos pratiques et tant qu'elle peut matcher et correspondre aux enseignements et aux valeurs de l'islam. Mais si une pratique va à l'encontre des pratiques de l'islam, des versets du Saint-Coran ou de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas l'accepter parce qu'elle pourra nous porter préjudice. Et en étant fiers de nos enseignements, en étant fiers de ce que l'islam nous a apporté et en étant persuadé que ce que l'islam nous a apporté va faire de nous des êtres meilleurs, à la fois sur le plan de la société, mais également sur le plan spirituel, nous devons, avec cette fierté-là, montrer aux gens et mettre en avant nos enseignements de l'islam. Et c'est ça vraiment qui est crucial aujourd'hui, parce que nous devons montrer aux gens que l'islam est une belle religion, c'est une religion qui est complète, qui a des enseignements magnifiques, et vraiment, s'ils sont appliqués, cela peut faire de la société une société meilleure et permet d'établir une paix pérenne. Je terminerai avec ces paroles, chers téléspectateurs. Si vous avez la moindre suggestion, la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante, hadith@mtafrance.tv. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.